Armoricains, armoricains, déconfinés, déconfinés, procrastinateurs dominicaux, bonjour! Et voilà, c'est fait, c'est parfait, c'est plus que parfait. L'enfermement est terminé, à nous la liberté. Brazatao, comme dirait certainement un barbu 68 heures, éleveur d'abeilles bio au fin fond de ces montagnes noires. Alors cette semaine, il y a bien une actualité qui n'a pas pu vous échapper, hein. Plus mystérieux que l'affaire Seznec, plus polémique que Nantes en Bretagne, plus important que les épisodes de Colombo sur TV Braze, les plages vont-elles rouvrir ? À votre gauche, équipé de costumes cravates, shooté aux directives circulaires européennes 33B alinéa 7, passé par l'ENA, Sciences Po et sous le bureau du président de la République, je vous présente Kevin Dumoulin. À votre droite, il est enfermé depuis 2 mois face à la mer. Ses sandales sont prêtes, ses sans-vents n'en peuvent plus. Il ne supporte plus d'être enfermé avec sa femme qui lui impose 4 mariages pour une lune de miel depuis 6 semaines. Il hésite à se faire une 3e natte sur le crâne. Goulven de Brignogan. Alors c'est vrai, il y a eu un débat. Hein. La question étant, les Français sont-ils assez cons pour laisser coller les uns aux autres sur les plages ? Alors, si l'on considère que les Français sont à l'image des éditorialistes des chaînes d'infos en continu, j'aurais tendance à répondre oui à cette question a priori ridicule. Mais d'une part, tout le monde n'a pas un diplôme en pilier de comptoir pour pouvoir rentrer à ces news, et d'autre part, et surtout, cette question ne nous concerne pas les gars. Bah ouais, les Français, ils font ce qu'ils veulent, mais chez nous, la mer, elle est en breton, non ? Et puis, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour connaître le phénomène de la marée. Alors Kevin Dumoulin, au lieu de faire des grandes théories à 10 balles pour pouvoir te payer des vacances à Nice où tu pourras louer 150 euros ta demi-heure de transat sur une plage en galet, viens ici juste 1 heure et tu comprendras que si on arrive à se transmettre le corona sur la plage à Carnac ou à Erdeven, ce sera avec une partousse géante. Bon, ouais, c'est vrai que ça pourrait déraper Erdeven, hein. Au-delà de toutes ces considérations administratives, il y a tout de même une info qui nous a échappé. Pendant qu'on était tous enfermés dans nos appartements et nos maisons à boire l'apéro devant nos ordinateurs, histoire de justifier une cuite hebdomadaire, eh ben les oiseaux, eux, dehors, c'était la fête du slip ! Voilà slip, comme on dit du côté de Clegg. Et forcément, vu qu'il n'y avait personne pour les emmerder, les piafs, ils ont fait leur nid où ça ? Je vous le donne dans le mille, sur les plages, ces cons-là ! Alors, s'il vous plaît, faisez gaffe où vous poserez votre serviette ce week-end. On a déjà réussi à foutre la moitié de l'écosystème à Dreuze en 50 ans. Ce serait quand même con de donner le coup de grâce juste après qu'on ait subi les premières conséquences, non ? Allez, quant à moi, retrouvez-moi dimanche prochain pour un nouvel épisode de la Semaine de Simon. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-moi sur SoundCloud, podcast.fr, PodCloud, iTunes, YouTube et tout le tralala. Kenavo !